YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le big unboxing. Je suis revenue du Canada et il y avait quand même pas mal de colis qui m'attendaient. Et du coup, on va essayer d'ouvrir ça de façon efficace et rapide ensemble dans cette vidéo. Il y a une première partie maîtresse et une deuxième partie beauté, soins, etc. Donc, selon d'où vous venez, ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le timer là pour savoir à quel endroit est la partie qui vous plaît le plus, comme ça si vous voulez pas tout regarder. Sinon vous pouvez tout de suite tout regarder évidemment, liker cette vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. Alors on va commencer par les maîtresses parce que j'ai quand même pas mal de choses. Ça concerne aussi la team PE du Nord. Vous savez qu'avec Laetitia du Instagram, dans les baskets de la maîtresse, on prépare la team PE du Nord. On l'a fait déjà l'année dernière, on a fait dans le Sud et là on refait dans le Nord, donc près de chez nous. Et évidemment on contacte les marques pour avoir des lots. Et cette année, la particularité de la team PE du Nord, je vous remettrai d'ailleurs les infos si ça vous intéresse, hein, même si logiquement vous pouvez plus vous inscrire, je vous mets quand même la date et tout dans la barre d'infos. En fait, cette année, on aura des stands où les marques pourront venir et vous présenter leurs nouveautés. Alors, ce sera des marques du Nord, en tout cas des marques françaises, mais ça permettra que vous puissiez, enfin celles qui vont venir, puissent découvrir directement le jour J. Je trouve ça cool. Elles pourront aussi acheter si ça leur plaît, évidemment, parce que sinon, on reste sur ce côté frustrant si on peut pas prendre. Mais il y a quelques marques qui viennent et ça, ça fait trop plaisir. Donc, j'ai reçu de la part des éditions Vuibert un petit livre. Alors ça c'est pour moi, ma consommation personnelle, mais je vous ferai un retour sur Instagram très très vite pour celles que ça intéresse. C'est innover en classe avec les pédagogies alternatives, que ce soit la pédagogie d'Ecroly, Freinet, Montessori, de Madeleine Denis pour le cycle 2 et le cycle 3 comme ça, donc chez Vuibert. C'est une toute nouveauté là, ça vient juste de sortir il y a très très peu de temps et il y a 80 fiches pratiques pour trouver l'inspiration et bien vivre à l'école. Écoutez, ça me plaisait énormément l'idée, même si j'ai plus ma classe cette année, ma classe vraiment dédiée puisque je serai remplaçante, ben je me suis dit que ça pourra peut-être me donner des idées, m'inspirer, voilà. Je prendrai les choses qui sont à prendre à l'intérieur et puis quand j'aurai de nouveau une classe, je pourrais l'utiliser. Donc ça, je vais le bouquiner tranquillement et je vous en reparle très 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 vite sur Insta et peut-être dans une vidéo préparation de la rentrée. Je vous dirai ça. Mais en tout cas, je vous mets tous les livres, des bouquins et des produits, les références dans la barre d'infos. Ensuite, chez Vuibert, ils m'ont envoyé deux gros colis que j'ai reçus vraiment aujourd'hui. Donc, si j'arrive à les ouvrir, ils ont... Ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous, justement. Enfin, c'est pour vous. C'est pour eux. Par où ça s'ouvre leur colis? Ah ouais, c'est bien bien fermé hein. Donc ça logiquement c'est pour la fameuse team PE, ça va être des lots concours pour eux et ça c'est cool, ils ont vraiment été hyper généreux Vuibert, donc je les remercie encore du fond du cœur parce que cette année ils m'ont fait confiance pour des concours sur Instagram et tout ça. Et d'ailleurs pour mon planeur de maîtresse et tout, de Make Up et la maîtresse, donc ça je vous ferai une customisation très très prochainement. Mais en tout cas là ils proposent d'offrir. Oh, il y a trop de choses, c'est trop bien. Oh lolo lolo lolo. Mais c'est génial. Donc pour la team PE du Nord, ils proposent d'offrir le fameux planeur justement de professeur des écoles de Marina, Mais que fait la maîtresse. Donc complètement neuf, hein, comme vous pouvez constater. Le livre La classe flexible au cycle 2 et au cycle 3, toujours de Marina, Mais que fait la maîtresse. Donc moi je l'ai déjà, je l'avais acheté l'année dernière avec ma cop de classe, je crois. Non, pas avec ma cop de classe, n'importe quoi. J'avais acheté... Donc moi, je l'ai déjà, je l'avais acheté l'année dernière pour ma rentrée des classes. Et là, alors ça, c'est vraiment trop bien. J'aurais aimé avoir ce genre de livre quand j'ai débuté. Donc, guide du professeur des écoles, débuté dans l'enseignement primaire du cycle 1 au 3. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien aussi. Là, c'est une nouveauté aussi, donc trop, trop cool. Donc ça, c'est pour les gagnantes. Et il y a un deuxième, du coup, colis, hein, il est là. Et du coup, c'est un deuxième planeur. Parce qu'en fait, il devait y avoir un planeur et un agenda à faire gagner. Mais malheureusement, il n'y avait plus d'agenda en stock. Donc, ils m'ont envoyé deux planeurs à faire gagner. Donc, c'est trop cool. Si vous voulez voir d'ailleurs toute l'actualité sur la team PE, d'ailleurs team PE hein, pour celles qui ne savent pas, au cas où vous passez par ici mais vous connaissez pas, c'est la rencontre des professeurs des écoles, comme ça c'est une rencontre qu'on organise avec Laetitia et celle-ci se passe dans le Nord, donc PE, professeurs des écoles. Il y a la marque Mes Cartes Mentales qui nous a envoyé aussi des petits lots, donc ceux-là
c'est pour nous, moi et Laetitia. Mais ils proposent aux gagnants, parce que eux ils seront là le jour J, et ça c'est trop cool, la carte mentale. Ils proposent à la gagnante ou aux gagnants le jour J de choisir le lot qu'ils veulent par rapport à leur niveau de classe, etc. Donc ça c'est cool. La marque nous a donc renvoyé ce lot là de cartes mentales version histoire pour le cycle 3, si je me trompe pas. Ouais, moi je l'ai déjà, je l'ai reçu il y a pas très très longtemps, je vous en avais parlé d'ailleurs je crois dans une vidéo Titchy Vlog, mais là c'est pas pour moi, c'est pour Laetitia, parce qu'elle voudrait peut-être l'utiliser quand elle fera les stages de remise à niveau, les choses comme ça. Donc ça c'est pour Laetitia. Et pour moi, ils sont trop adorables, ils m'ont envoyé les lots comme ça, qu'ils ont des sortes de fichiers un peu d'aide pour les cartes mentales avec des exercices, etc. Non, ah non, c'est pas ça, c'est pas pour les exercices, c'est les fichiers pour compléter les cartes mentales au cycle 2 et au cycle 3. Donc moi j'ai déjà ceux du cycle 3, là ils m'ont envoyé en maths et en français pour le cycle 2, puisque en tant que remplaçante, je vais pas forcément être au cycle 3, hein, je peux être au cycle 2 ou même au cycle 1. Et du coup, étant donné que j'ai pas forcément beaucoup de ressources au niveau du cycle 2, bah, ils m'ont envoyé ça pour m'aider. Donc ça va être trop cool. Donc ça, c'est la version français. Et j'ai reçu la version mathématique qui va du CP donc au CE2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont plein de ressources sur ce site-là. Les cartes mentales, je trouve que c'est vraiment génial. Et en plus, ils ont lancé un onglet spécial enseignant. Et vous pouvez avoir accès à plein de petites choses très sympas à télécharger et tout ça, à recevoir à la maison. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo et sur Instagram. Pour ce qui est de la team PE des profs, j'ai reçu que ça et c'est déjà beaucoup. J'ai fait une mini commande chez Sephora parce que le dernier jour des soldes, je voulais juste reprendre des petits coffrets pour offrir à Noël. Donc 6€ le lot comme ça de coffrets Polar. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. J'ai repris un parce que j'en ai pris deux. 6€ au lieu de 17, ce qui est vraiment hors de prix, 17€. À l'intérieur, vous avez une crème neige éternelle, une crème nuit polaire et un baume à lèvres que j'aime beaucoup, le baume à lèvres d'ailleurs. Et j'en ai pris deux, comme ça je pourrais offrir aux maîtresses, aux ATSEM. Voilà. J'aime bien prendre pendant les soldes des petits coffrets comme ça qui valent rien, qui sont en mode hiver et que vous pouvez offrir à Noël sans problème. J'ai fait une petite commande lorsque j'étais au Canada sur le site de ma copine Ella, Ella Rayon de Soleil. Je sais pas, vous avez dû nous... Si vous me connaissez et vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez qu'on est copines. Elle est en Belgique, elle a ouvert depuis peu son e-shop et qui est vraiment canon. Vraiment, elle propose plein de choses. J'ai déjà passé une commande dès l'ouverture de son e-shop et là... J'ai vu qu'elle avait rentré des crayons pour les yeux qui étaient juste trop beaux. Parce que sur Instagram, elle fait un peu la pub évidemment de son e-shop. Et elle propose des petites pépites quand même. Hein. Et du coup, au Canada, comme j'ai vu qu'ils étaient revenus en stock, j'ai sauté dessus. J'ai pris ceux qui m'intéressaient. Donc, elle m'a envoyé son colis. Elle est en vacances actuellement. Donc, si vous voulez passer commande, elle est en vacances, mais elle revient vers le 20 août. Donc, gardez bien ça sous le coude. Elle va me proposer un code promo pour que vous puissiez commander et avoir un petit code promo. Donc c'est trop adorable, merci Ella. Et elle m'a dit qu'elle m'avait rajouté des petites choses à l'intérieur, donc on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, je suis contente qu'elle propose un code promo pour vous. Je vous le partagerai ici et dans la barre d'infos. Comme ça, gardez-le sous le coude. Même si son site il est ouvert, hein, vous pouvez, je pense, commander. C'est juste qu'il faudra attendre un petit peu son retour de vacances pour recevoir tout ça. Et elle s'empressera de vous faire... Je pense qu'elle sera contente à son retour de vacances de voir que son site il a cartonné pendant les vacances. Donc n'hésitez pas à aller voir. À l'intérieur, c'est protégé, il y a ma petite facture, parce que oui, j'ai quand même acheté des trucs à l'intérieur, moi. J'ai commandé du coup des choses et elle m'a mis des petites choses gratuitement. Elle a mis une petite carte thank you, sa petite carte Ella Beauty and More, donc le nom de son site. Coucou ma Karine, merci pour ta jolie commande, j'espère que tu vas aimer les petits produits que je t'ai rajoutés en plus. Gros bisous, merci encore ma petite Ella, vraiment. Elle nous a mis des petits stickers, ça trop mignon. Vous savez, des petits stickers, moi j'adore avoir des petits cadeaux comme ça, trop mignon. Hein. Et son... Alors je vous montre l'intérieur parce que c'est vraiment, elle fait ça vraiment bien. Donc dans les couleurs de son site, avec son petit logo, c'est hyper bien protégé et wouh, c'est trop beau. C'est trop mignon. Elle fait, ah ouais d'ailleurs sur son site j'ai trouvé ça trop kiffant, elle fait des sortes de lots. Et je trouve que l'idée est vraiment bien, par exemple des petits pots avec des produits de la même couleur, le petit chouchou de la même couleur et tout, et ça donne trop envie, c'est des petits lots, soit vous offrez à quelqu'un, soit vous l'offrez à vous, mais elle fait des petits lots. Et je vois qu'elle m'a mis ça, regardez, c'est pas trop craquant, ça sent bon dans le colis, ça sent bon. Donc cette petite pochette, donc j'imagine que ça doit être trouvable sur son site, hein. Je l'ai pas vu celui-ci, j'en ai vu d'autres, mais pas celui-ci avec la petite pochette, donc là...
Trop beau, c'est vraiment canon. Et à l'intérieur, elle m'a mis quoi? On va regarder tout de suite, hein, parce que je vois qu'il y a des petites choses sympas. Un gros body yogourt. Trop bien, donc une crème pour le corps comme ça, assez texture, je pense, très bah, yaourt, quoi, entre la lotion et la crème. Et c'est à la framboise, hein, ou à la fraise, non, fraise. Strawberry, c'est la fraise. Oh, ça sent bon à travers tout ça. Là. Je sais pas ce qu'ils sont comme ça, mais ça sent tellement bon. Un petit... Oh, ça sent bon, ça. Oh là là, mon Dieu. Un macaron comme ça, fruit de la passion. Mais mon Dieu, mais comme il sent bon! Alors, je sais pas la marque, mais ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. Dans ce petit pochon, on a un autre petit pochon qui est trop canon, comme ça, trop mignon. Et à l'intérieur, il y a l'air d'avoir une sorte de sucette. Mais une sucette de quoi? Alors, il y a le bâtonnet. Il y a le bâtonnet et à côté, il y a quelque chose d'emballé. Donc, c'est muffin myrtille. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment bien emballé, hein, bien protégé. Muffin myrtille, j'imagine que c'est un petit pot. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une crème corps? Oh là là, mais comme ça sent bon. Regardez-moi cette merveille, comme c'est beau. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est une crème pour le corps? Je vais regarder sur son site tout de suite. Mais alors, l'odeur. Donc, on a ça avec le petit bâtonnet. Donc, j'imagine que c'est une sorte de crème, quelque chose comme ça. Mais ça sent très, très, très bon. Donc, je vous mettrai une annotation et je vous mettrai, comme je vous ai dit, les liens en barre d'infos. Hein. Un grand produit comme ça dans les teintes roses. Hein. Donc, vraiment, ça va très bien avec le reste de la du pochon. Et c'est une Midnight Magic, une brume comme ça de la marque Miss You. Oriental, vanille et praline. Ouh là là. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça a l'air... Regardez déjà le packaging, il me fait penser un peu à Victoria's Secret. Et alors, on va tester tout de suite, ça a l'air bien gourmand, ça. Oh mon Dieu. Il y a vraiment la vanille. Le côté sucré de la vanille. Et le côté gourmand de la praline. Mais ça, c'est une tuerie. Alors là, et là, tu me... Ça va pas du tout, parce qu'après, je vais encore plus craquer sur ton site. Ça va pas du tout. Et pour finir, elle m'a mis des... Ah, la mandarine, tiens. Vous savez, des... Ah, comment ça s'appelle? Les sortes de bougies, je pense, que vous faites fondre là dans un porte-bougie. Oh là là, ça sent bien la mandarine. Ça, c'est fraîche. Ça, c'est très, très fraîche. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans le pochon comme ça. Déjà, ce pochon-là, il est canon. Donc en mode, vous mettez la petite bougie à diffuser, vous prenez soin de vous, faites un petit bain avec le macaron, vous mettez de la crème, du parfum, et alors là, vous êtes... Vous êtes topé, mais c'est hyper, hyper bien présenté. Dans ma commande, je lui ai pris un petit spray comme ça. Si je me trompe pas, c'est un spray fixateur à base de noix de coco ou de fruits de la passion. Enfin, en tout cas, une odeur très estivale de la marque Beauty Création. Et honnêtement, ça donnait vraiment envie. Les packagings comme ça, très estival, là, ça, je trouvais ça trop bien. Et donc, coco et mangue. Donc, c'est un spray fixateur, logiquement, si je me trompe pas, hein. Alors, on va le tester pour voir l'odeur, si ça vaut le coup ou pas. Ah, c'est très... Le spray, il ressemble vraiment à de l'eau. Alors, ça sent pas grand-chose. Bah, écoutez, je sens pas l'odeur de... Ça, c'est très doux. Hein. Je sens vraiment une odeur très lointaine de... Je sais pas de quoi. Mais en tout cas, ne vous attendez pas à la mangue et la noix de coco vraiment très fort. Mais en tout cas, le packaging est top. Donc ça, je testerai pour savoir si ça tient bien, si vraiment ça fixe bien le maquillage. Je suis très contente. Dans ma commande, il y avait donc les fameux... Voilà, c'était ça l'objet de ma commande. Regardez comment elle présente ça, vraiment trop bien. Elle fait ça super bien, Ella. Donc les fameux crayons de chez de la marque Moira, comme ça, qui sont duochrome ou multichrome en tout cas. Oh, ils ont l'air tellement beaux. Donc je lui ai commandé les 5 que j'ai préférés. Donc là, il y en a déjà 4. Donc ça se présente comme ça. Ils sont vraiment canons. Donc je vous inclus dans la vidéo les petits swatchs. Mais on a pas mal de teintes. Donc il y en a 5, comme je vous disais. On a la teinte 01. Atlas, la teinte 04 Electra, la teinte 05 Flair, la teinte 07 Rare et la teinte 09 Buzz. J'ai essayé de prendre vraiment des teintes un peu différentes que j'utiliserai assez souvent, je pense, dans mes make-up quotidien. Avec un maximum de reflets. Et là, elle avait fait un petit réel où elle montrait toutes les teintes sur son bras. Et c'est comme ça que je me suis aidée pour
pour choisir. Dans ma commande, je lui ai pris aussi deux autres produits de la marque Moira. Je vais y arriver, Moira. Il y avait un blush, parce que j'ai un blush que je lui ai commandé d'ailleurs, mais en version panne, que j'adore. Et là, elle a sorti sur son site les blushs liquides comme ça, en version... un peu comme les Rare Beauty, en version... en peau, comme ça. La texture, elle a vraiment pas mal. On va faire un petit swatch. Oh. C'est un beau rose, c'est la teinte 11 Adorn. Donc je pense que ça revient à la teinte du packaging. Hein. Ouais, ça ressemble plutôt bien. Donc là, évidemment, c'est à étaler. Hein. Ouh, la texture est super sympa. Regardez ça, quand il s'étale, il devient un peu comme de la poudre quand on l'étale. C'est hyper soyeux. Regardez ça. Donc ça sent super bien. Et après, ça fait vraiment un effet poudre sur la peau. C'est ça, pas du tout cet effet collant ou gras d'un produit. Vraiment épatant déjà. Donc écoutez, j'en ai pris qu'un pour tester, pour voir ce que ça donnait, si ça me plaît, parce que j'aime de plus en plus les produits crème. Donc c'était l'occasion. Et dans ma commande, j'ai utilisé un code promo. Et du coup, ça m'a fait un petit peu baisser ma commande. Et je me suis permise de reprendre un produit supplémentaire. Donc c'est Lip Oil, donc un produit pour les lèvres de la marque Moira, qui a un effet hydratant et glow. C'est la teinte 12 Only Motions. Oh, la teinte, c'est un espèce de rose, vieux rose violine, très... regardez ça, il est canon, un peu violine froid, vous voyez, ce rose froid, c'est ce que je voulais. Je suis trop contente parce que j'aime bien les couleurs un peu froides comme ça. Donc écoutez, on verra comment il est sur les lèvres aussi, mais il me donne trop envie. Mon Dieu, je vous dis pas l'odeur là que j'ai sur moi, cette brume vanille praline est une merveille. On continue dans les cadeaux là cette fois-ci, elle m'a mis d'autres cadeaux, elle abuse hein, quand même hein. Merci ma petite Ella, mais vraiment c'est beaucoup trop. Elle m'a mis un crayon à sourcils qui est trop mignon comme ça, de la marque RMT Romantic Beauty, de la teinte Expresso. Donc je pense que ça sera nickel hein, pour moi. Et regardez comment il est girly, ce petit crayon là pour les sourcils. Il est trop mignon, tout rose et tout. Eyebrow Pencil Exquisite. Bah écoutez, je ne connais pas. C'est vrai que Ella, elle a mis des petites merveilles comme ça, des petites marques qu'on connaît pas sur son site, et ça donne envie de tester. De la marque PX Look Cosmetics, un velvet matte lipstick comme ça, et la couleur pareil, il est vraiment trop beau, donc ça donne méga envie. Ah ouais, là c'est vraiment un vieux rose, mais plutôt un peu plus chaud. Regardez, je l'ai mis juste à côté, donc c'est celui qui est en haut. Il est vraiment très beau. Et est-ce que je vous ai dit la teinte? Est-ce qu'il y a une teinte quelque part? Ah, c'est la teinte 03, pour celle que ça intéresse, de la marque donc PX Look Cosmetics. Et pour finir, elle m'a mis un produit qui fait un peu tout en un, qui a l'air de faire les lèvres, les joues et les yeux, le Cheeky Baby de la marque Italia, c'est ça? Alors je sais pas si ça se prononce Italia ou Italia. J'arrive pas à voir si c'est un G ou pas la lettre, mais regardez comme c'est mignon. Donc ça se présente comme ça. Ah oui, d'accord, c'est la teinte Sophisticada. Donc c'est un produit, comme je vous ai dit, tout en un. Alors il a l'air d'être un produit crème, c'est l'impression que ça donne, regardez. Hop, vous avez vu comme c'est trop mignon le packaging. Et alors on va tester, pendant que j'y suis. Ah oui, c'est bien un produit crème. Hein. Ah, la teinte elle est trop jolie. Et c'est pareil que tout à l'heure, ça, côté crème, mais quand ça s'étale, regardez, il est là. Il est un peu plus pêche celui-ci, donc quand ça s'étale, eh ben ça fait cet effet poudré. Je pense que je l'utiliserai peut-être plus sur les joues, mais à voir. Peut-être que j'utiliserai aussi sur les lèvres, on ne sait pas hein, dans la folie du truc. Et alors dans les dernières découvertes qu'elle m'a envoyées, c'est en cadeau une palette comme ça, cryptique. Alors je ne connais pas du tout, de la marque Ocalan on dirait. Alors c'est super bien protégé, hein. Je vous jure, si vos produits ils arrivent cassés, c'est pas possible parce qu'elle protège ça de fou hein. En même temps, je la comprends, je me dis, si j'avais lancé aussi moi ma boutique comme ça, je préfère envoyer et protéger beaucoup trop que pas assez et d'avoir des réclamations, etc. Donc elle a bien raison, Maëlla. Oh là là, la palette, elle est super belle comme ça, c'est dans un plastique donc protecteur. Donc la marque Ocalan, hein, c'est écrit ici. Nude Palette Shadow Palette, Nude Shadow Palette, et c'est un dupe d'une palette de Huda Beauty, je pense. Je pourrais faire un petit comparatif comme ça, mais on dirait bien que c'est la fameuse Nude de Huda Beauty. Ça a l'air dans les mêmes teintes. En tout cas, je testerai, je vous en reparlerai pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Mais la palette est très belle et j'imagine que ça doit être beaucoup moins cher qu'une Huda Beauty. En tout cas, le design est vraiment canon. Donc voici le colis de Ella, alors avec ma commande et ses cadeaux, mais elle m'a pourri gâtée. Elle m'a donné d'ailleurs envie vraiment
de tester ces brumes. Et je sais que j'avais envie aussi de passer commande pour ces bougies, mais j'ai résisté parce que j'en ai acheté au Canada. Donc je me suis dit, je vais résister, mais ça garde dans ma tête, ça reste dans ma petite tête. Et peut-être qu'avec mon code promo, je craquerai pour une ou deux bougies. Parce que elle, il paraît qu'elles sont vraiment bien sur son site. Je vous mets donc tous les liens, comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller soutenir ma copine Ella, vraiment, qui s'est lancée dans le monde de l'entrepreneuriat. Et d'utiliser au passage le petit code promo, comme ça, bah, ça vous fera peut-être bénéficier. En plus, sachez que dans toutes les commandes, elle met toujours des petits cadeaux. Même vous, hein, même pour tout le monde. Vous avez été nombreuses à me dire sur Instagram, Karine, t'as vu la nouvelle collection Chic Glam Shein? Ils ont sorti une collection Harry Potter que j'avais déjà repérée. Et quand j'ai voulu passer commande, quand elle était dispo en France, c'était le jour de mon départ où je prenais l'avion pour le Canada. Et comment vous dire que bah, j'ai pas pu, parce que dans la précipitation de ça, j'ai pas passé commande. Alors, je me suis dit, je le ferai plus tard. Et arrivé au Canada, ou deux jours après quand j'y ai repensé, il n'y avait plus rien. C'était plus en stock, c'est indisponible. Du coup, j'étais un peu deg. Mais mon abonné, ma super abonnée Fiona, m'en a parlé en me disant, bah écoute, j'ai trouvé la collection sur Vinted pour pas cher du tout, hein. Et bah, elle m'a relancé en me disant, regarde, elle en a mis un deuxième coffret, parce que cette fille-là qui vendait sur Vinted, elle était italienne, et en Italie c'était encore disponible les coffrets, c'est ce qui est bizarre quand on y pense. Donc la fille sur Vinted m'a envoyé la fameuse collection de Harry Potter que j'ai payé 36€, avec les frais de port ça m'est revenu à 42 je crois. Et il faut savoir que sur le site Shein, la collection Harry Potter était à 49,50 je crois. Donc j'ai payé moins cher que sur le site Chic Glam. Alors évidemment sur Chic Glam j'aurais pu avoir un code promo, ou j'aurais pu l'avoir en partenariat, mais vu que c'était en rupture, j'aurais peut-être jamais eu. Donc je suis trop contente, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Alors la fille, elle a super bien protégé. En plus elle m'a offert une palette. En plus. Donc je vous montre la palette qu'elle m'a offert en cadeau. Je pense que je vous la glisserai dans un concours des 15 000 abonnés sur Instagram, parce qu'il y a 15 000 abonnés bientôt là, dans quelques abonnés qui arrivent sur Instagram. Donc si vous ne me connaissez pas là-bas, n'hésitez pas à aller me suivre. Et je vous prépare un big concours là-bas avec 3 lots. Un lot soins et make-up, un lot papeterie pour les profs et tout ça, enfin des livres de profs, et un lot aussi pour avec de la papeterie et des choses Cricut. Comme ça il y en a pour tous les goûts et tout ce qui me plaît à moi aussi. Voici la petite palette donc qu'elle m'a mis gratuitement, hein, c'est trop adorable. Donc moi je vais la glisser, même si elle est très très belle, hein, je vais la glisser dans... Elle a l'air vraiment canon, hein. Mais je vais la garder pour vous, vraiment je vais être raisonnable. Dans le coffret, quand on enlève le couvercle qui est déjà très très beau, hein, c'est un coffret qui est magnifique. Vraiment c'est soit je l'achetais en coffret, soit je l'achetais pas cette collection, parce qu'il fallait soit tout, soit rien. Et à l'intérieur vous avez la petite lettre en mode d'introduction à Poudlard là, qui est vraiment bien faite, hein. Ils ont fait ça bien, hein, avec les petits logos et tout. Quand on l'ouvre c'est un petit scratch, et vous avez à l'intérieur la petite lettre qui est imitation Harry Potter, quoi. Vous avez le coffret comme ça, mais qui est trop beau, avec les 4 palettes. Non mais je trouve qu'ils ont été dans le détail, parce que regardez là le coffret, genre vous tournez, il y a le chapeau au milieu et vous tournez comme ça. Ils ont fait ça quand même bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Quand vous ouvrez, donc c'est en 3 parties, vous ouvrez là, c'est un peu comme des tablettes de chocolat, vous savez le papier là. Et il y a 4 petites palettes à l'intérieur. Donc ils n'ont pas fait une grosse palette, mais 4 petites palettes aux maisons, aux couleurs des maisons. Alors je ne vous les montre pas toutes, mais je vous montre par exemple Serre d'Aigle. Et c'est à chaque fois dans les teintes comme ça. Donc vous pouvez faire un make-up à chaque fois dans les teintes de la maison avec chacune des palettes. Vraiment... Bravo, vraiment bravo Chic Glam. Il y a un petit rouge à lèvres pailleté à l'intérieur comme ça. Il est trop beau, en mode potion, hein. Et trop trop canon. Donc il est tout vert comme ça. Et tout brillant. Oh, j'adore. Non mais vraiment, c'est... Je sais même pas si je les utiliserai. Je trouve que c'est aussi bien que la collection Colourpop, quoi. Les gars, ils sont bien gérés. On a le fameux petit pot comme ça de potion dans les teintes violet. En fait, c'est un soin pour les lèvres, si je me trompe pas. Avec le petit bâtonnet, hein, et regardez comme c'est beau. Oh, mais c'est tellement beau. Et c'est un soin de nuit pour les lèvres, si je me trompe pas. Ils appellent ça masque pour les lèvres chaudron magique. Et alors quand vous ouvrez ce coffret, il y a une deuxième partie. Donc là il y a une première partie que j'ai enlevée, et au fond il y a encore la suite. Et vous avez le livre des potions avec un petit pinceau en haut. Donc alors c'est un pinceau un peu comme une baguette magique. Et moi je le trouvais trop beau. Rien pour faire des photos, il est canon. Et donc le livre des potions, regardez ça.
Il n'est pas trop beau. Donc à l'intérieur, vous avez vraiment une illustration de potions là, avec différentes potions. Et vous avez 4 petites potions qui sont en fait, si je ne me trompe pas, des glosses. C'est fou. Et alors je viens de voir que c'était des glosses un peu aux couleurs des maisons. Il y en a un qui est doré comme ça, il y en a un rouge, un vert et un peu violine. Bon, ils l'ont peut-être pas fait bleu parce que ça faisait bizarre, un gloss bleu peut-être. Mais en tout cas, hop, regardez, un petit gloss comme ça. Ah oui, avec le petit bout en silicone. Pas comme d'habitude, mais j'aime bien ces petits bouts-là. Donc 4 glosses qui sont sous forme de potions. Mais je trouve ça trop canon, vraiment. Je suis trop contente, merci Fiona encore parce que c'est grâce à Fiona que j'ai pu du coup l'avoir sur Vinted. Et voilà, je suis trop contente, ça va être derrière moi là, dans ma petite collection. Bon, vous avez vu, j'ai reçu des colis de fou. Bon, celui-là c'est moi qui l'ai payé, hein, tous même, mais je suis trop contente. On continue avec quelques achats que j'ai fait au Canada, mes derniers achats que je ne vous ai pas montré dans ma vidéo All Canada. Au niveau papeterie, chez Dollarama, j'ai pris pour 4,20$ ces fameux crayons Paper Mate pour corriger mes cahiers quand je serai remplaçante. Les couleurs un peu candy pop, ils appellent ça, et 4,20$, ça fait à peu près 2,50€, donc pas cher. Chez Walmart. Je suis allée dans le rayon beauté et j'ai pas résisté pour la collection Physician Formula. Alors vous pouvez trouver ces palettes là parfois sur Beauty Bay ou d'autres sites, mais je vous avoue que là ces derniers temps j'y suis pas allée et puis elle était devant moi et honnêtement c'est la Dream Team, donc la palette pour le visage avec tout ce que j'aime à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir là pour vous montrer. Je vous la montre de plus près, mais je la trouvais canon parce qu'en fait là il y a les deux bronzeurs que j'aime beaucoup, donc les bronzeurs Mat Mon Oeil et le Muru Muru Butter Bronzer. Donc ces deux là je pense les aimer. Les deux blushs j'ai trouvé canon. Ici vous avez une petite poudre pour le visage, donc pour le contour des yeux etc, ça va être très sympa. Et un enlumineur qui est un peu foncé à mon goût, mais écoutez, je me suis dit que bon allez, si c'était le seul truc que j'allais pas... Alors j'en avais une palette de cette marque là dans le même style mais d'une autre gamme. Et en fait il y avait beaucoup de couleurs que j'aimais moins. Donc là je me suis dit que vraiment clairement, à part l'enlumineur, mais je pense que je l'utiliserai quand même surtout là parce que j'ai un petit peu bronzé. Le reste je suis sûre d'aimer, donc j'ai pris ça. De la marque toujours Physician Formula, je me suis pris... Bah ça j'ai jamais vu en France, donc je pense que ça doit être difficile à trouver, mais peut-être que je me trompe. C'est l'anti-cerne de la marque Physician Formula, le Butter Glow. J'ai pris en teinte light to medium, donc clair à medium. Et donc il paraît qu'il est quand même au beurre de Muru Muru, donc un peu plus longue tenue, hydratant, rehausse l'éclat, procure une impeccable couvrance modulable et ravive le teint en camouflant les imperfections. Bon, écoutez, je testerai, donc ça j'ai prévu de vous tester ça dans une vidéo spéciale make-up Canada. J'ai pris aussi au Canada, et ça je vous l'ai montré dans un vlog, le Killer Liner en version kaki comme ça, qui m'a coûté peut-être 10€. Winners, donc il était en promotion, donc je suis contente. C'est le Killer Camo, hein. Il est dispo en France mais il coûte 23€ hein, quand même. Toujours chez Winners, j'aime trop ce magasin aussi, ça va pas du tout là-bas. Le Physician Formula, j'ai pris le petit mascara pour tester, il était à 4$, donc ce qui équivaut à 2€, pareil. En grosse promotion, j'ai pris ce lot de paillettes de chez Anastasia Beverly Hills, au lieu de 24$, ils sont passés à 5$, 5. Même si ça me plaît pas, je vous jure que je peux le revendre. 5$, ça valait le coup. Chez Bath & Body Works, à -75%, j'ai pris ce petit truc quand j'ai juste envie d'emmener ma carte bleue et mon gel antibactérien. Donc ça, vous accrochez votre gel antibactérien de la marque Bath & Body Works. Et là, vous mettez juste vos cartes bleues, par exemple, si vous avez juste une course à faire ou quoi. Ben, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'était 3$ du coup parce que c'était en promotion. Et alors oui, grâce à une copine, j'ai pu commander des produits Dior avec une réduction, donc c'était beaucoup moins cher. Je me suis pris ce coffret là qui est juste trop bien, ce mascara, le Dior Show Pump and Volume. Je l'avais déjà testé mais il y a au moins 2 ans, j'avais adoré, donc je vous montre un peu le coffret comme ça. Et du coup il y avait le petit rouge à lèvres en plus, donc c'est pas mal, c'est bien présenté hein, les produits Dior quand même hein. Bon, je vous montre pas le mascara, c'est un mascara où vous pouvez appuyer dessus et ça permet de mettre bien du produit sur votre brosse. Et le rouge à lèvres, c'est un tout petit mini comme ça, mais il est trop beau. C'est le numéro 100, c'est un petit nude, vraiment trop mignon. J'adore les nudes comme ça et j'adore, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de produit en mode Dior comme ça.
Et j'ai acheté un lip maximizer parce qu'il y en a un que ma copine Lily Auré m'avait offert dans notre swap d'il y a quelques temps maintenant. Et je l'ai fini et je l'ai adoré. Donc là j'ai pris la teinte 104 Rose Gold. Je ne sais plus si c'était le même. Non, je crois pas. Celui qu'elle m'avait offert, il était un peu plus rose nude. Vous savez, là il est pailleté et j'avais adoré. Alors j'avais pas aimé l'embout, il était pourri l'embout, mais j'avais, alors là c'est vraiment un petit rose, vous voyez, il fait des petits reflets, je sais même pas si vous voyez, mais il fait plein de petites paillettes un peu dorées, bah, comme à l'intérieur. Là vous voyez les petits reflets un peu dorés, et il a un petit effet mentholé que j'aimais bien, et j'aimais beaucoup le mettre le matin, bah voilà, avant de, quand je me suis maquillée, si j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres un peu punchy, bah je mets ça sur mes lèvres, et j'avais voilà des belles lèvres, et il avait cet effet un peu hydratant et punchy, glossy. Donc je suis très contente, je l'ai eu vraiment pas très cher. Et j'ai pris un vernis Dior aussi, mais je suis pas conquise de la couleur, c'est le 720 Golden Hour. Donc je testerai sur mes pieds, parce qu'il est beau, hein. Mais sur mes mains j'ai testé et j'ai pas kiffé plus que ça. Donc je pense que je testerai sur mes pieds et puis sinon je le revendrai parce que je sais pas, je voyais différemment. Mais en tout cas, voilà, mes petits derniers achats, ça c'était pas aux États-Unis, hein, c'était via une copine en France. On finit cette vidéo avec deux box. La box Blissime que j'ai reçue avant d'aller au Canada, mais j'ai pas du tout eu le temps de l'ouvrir. Donc regardez, je la sors de son paquet et elle est juste canon. Elle est trop belle, j'aime trop le petit sac. Alors c'est vraiment un petit sac, hein, mais c'est vraiment en mode le petit sac pour emmener 2-3 petits produits. Ou votre trousse, en moitié trousse, à moitié sac, vous voyez. Il y a une petite fermeture pour l'ouvrir. Donc c'est la box pour les 2 mois et honnêtement elle est blindée à l'intérieur. Oh là là, il y a plein de choses. La gelée nacrée après solaire Aqua Hero, donc soin rafraîchissant, hydratant à base d'aloe vera, 95% d'ingrédients naturels et vegan. Je ne connais pas trop cette marque, mais je sais qu'on l'a déjà eu dans une box. Oh, on a un produit Garantia, trop bien, un fluide incroyable, douceur invisible, 50+, sans effet blanc ni effet gris. Sans parfum, donc ça c'est trop cool. Ça je le garderai pour l'année prochaine parce que là j'ai déjà entamé une crème que j'adore d'ailleurs pour le visage, mais ça sera pour l'année prochaine. De chez Nuxe, le shampoing brillance miroir à l'huile fermentée de camélia rose. Donc ça je garderai pas, mais le packaging est trop canon. Mais ça je vous mettrai dans le concours sur Insta. De toute façon vous savez, les produits que je garde pas c'est pour Insta. Une huile corps été mon œil bio organique comme ça, je ne sais pas de quelle marque. Je vous montre au cas où vous connaissez. Hop. Et eh ben écoutez, on va sentir, voir si ça sent le mon œil ou pas. Ça sent super bon, ça je vais l'utiliser sur mes jambes. J'ai l'impression que ça n'en finit pas cette box, elle est trop canon. Sérum après soleil, After Sun Serum, hydrate et apaise de la marque Summer Story, 95% d'origine naturelle. Et alors c'est un sérum pour le visage j'imagine. Révélez votre summer glow, ce sérum apportera fraîcheur et hydratation à votre peau après une longue journée au soleil. Donc ça ouais, c'est plus pour le visage. Donc je vous le montre et c'est pas mal du tout. On a 2 gros produits à l'intérieur dont la fameuse eau Bioderma comme ça. Alors moi je n'utilise plus du tout domiciliaire depuis 2-3 ans. Mais ça c'est la fameuse eau Créaline H2O que j'ai déjà utilisée avant. Que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup celle, la version bleue qui est pour les peaux avec un petit peu d'imperfection. Mais maintenant j'utilise plus du tout de domiciliaire. Donc ça, ce sera dans le concours. Mais c'est un très gros format de 500 ml. Donc très généreux. Ah, je vois au fond du petit sac qu'il y a la petite anse si vous voulez le porter en mode bandoulière. On a une petite palette, on dirait un Shadow Quad de la marque The Cleopatra Palette. Toute mimi comme ça, toute rose. Alors là c'est le thème un peu rose, c'est trop mignon. Et effectivement c'est une petite palette sympa pour emmener en vacances, hein, je pense. Ça je vais le garder pour vous, mais ça aurait pu être une palette très sympa pour les vacances. Oh mais trop bien, ils ont mis le petit chouchou aux couleurs un peu de la box comme ça. Ça je trouve ça trop sympa. Il nous reste encore 2 produits. Trop bien. De la marque Innisfree, on a un gel, une crème gel éclat au cerisier à fleurs de Jésus. Donc ça, c'est une petite crème visage très sympa. Donc ça, c'est une marque, je sais que beaucoup apprécient. J'ai jamais testé les crèmes pour le visage, mais j'en avais une aussi dans ce style-là. Donc c'est des petits pots tout roses comme ça. Bah écoutez, je verrai, mais je pense que je vous la mettrai pour vous dans le concours. Et on a pour finir un énorme masque pour les cheveux hydratant de la marque Revive. Donc écoutez, ça, toujours utile les masques pour les cheveux. J'ai une collection de masques pour les cheveux énorme, parce qu'en plus c'est très généreux là comme format, il y a quand même 250 ml, mais ça sent très bon, ça sent très bon. Mais bon, celui-là je le garderai parce que ça reste très utile pour ma touffe de cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette box Blissime est canon. Canon. Le dernier
colis, pareil, que j'ai pas ouvert. C'est l'édition VIP de chez Beautiful Box. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans cette édition? Ça m'a l'air d'être une box un peu cheveux. Voilà, cet été, cap sur une chevelure de sirène. Bah écoutez, moi ça me va, hein, si c'est produit... Oh, oh, je vois qu'il y a une marque que j'aime beaucoup. Il y a un produit Les Secrets de Loli, le Magic Twist que j'ai payé un bras. Il coûte au moins 20 euros le gros pot que j'ai acheté pour mes enfants. Donc c'est très bien, j'en aurai un pot supplémentaire. Donc c'est une crème ultra nourrissante à l'huile de macadam et au lait d'amande et qui permet aussi pour les cheveux afro de faire des twists. Donc ça, très contente, très contente. On a un masque cheveux réconfortant de la marque Biotalis. Donc un petit masque comme ça. Donc ça, très bien aussi, ça va être utilisé. Hein. Ils sont bons. Ils sont un peu plus les plantes, mais ils sont très bons. Ah, trop bien. On a un gros peigne comme ça avec des... J'en fous partout aujourd'hui. Hein. Regardez, en plus c'est marrant, vous pouvez l'accrocher dans la salle de bain. Ça, c'est très bien pour les cheveux afro de ma fille. Donc c'est très bien. Ils ont entendu Beautiful Boss, ils se sont dit, tiens, une fille afro, on lui fait une box cheveux, tiens, elle galère. Gelée capillaire, oh, ça c'est trop trop cool, une gelée capillaire aux agrumes sans rinçage de la marque Tropical Bliss. Alors là, je connais pas, le packaging donne envie. Vous allez vous dire, la fille, elle kiffe tout. Bah ouais, là... Un spray biphasé protecteur de cheveux, ah ça, ça aurait été pas mal. J'avoue qu'il n'y a pas eu un soleil de fou... au Canada, mais pourquoi pas. Donc ça a l'air, il faut bien mélanger je pense, hein. Regardez, je vous montre, mais pourquoi pas, ça peut être très bien pour protéger ses cheveux, un peu les hydrater, de la marque Yurveda, édition spéciale. Et on a de la marque Shairi un shampoing, donc ça je me rappelle avoir utilisé en miniature. Ah ouais, je me souviens de l'odeur, l'odeur un peu de figue de Barbarie je pense. Ça sent très bon, je l'avais déjà utilisé. Je verrai si je le garde ou si je vous le glisse pour vous. De toute façon, il y a plein de choses qui seront pour vous. Ne vous inquiétez pas, mais retrouvez-moi sur Instagram. Et pour finir, le conditionneur à l'aloe vera de la marque Masato. Masato, je pense que ça se dit comme ça. Très beau packaging aussi. Et ben, il y a tout ce qu'il faut là, parce qu'on a quand même le shampoing, l'après-shampoing, le masque capillaire, la gelée pour les cheveux, pour avoir des jolies boucles, et on a en plus l'espèce de baume là, des secrets de Loli, plus le petit spray. Donc vraiment, elle est quand même super bien réfléchie, je trouve. Elle est très très bien, je crois que c'est une des meilleures que j'ai eues cette année dans les Beautiful Box, donc canon. Maintenant que c'est le bazar autour de moi et que j'ai ouvert tous mes colis, j'espère que vous avez tenu le coup jusqu'ici, hein, vraiment, j'espère. Sur ce, évidemment, je vous rejoins dans les commentaires pour partager avec moi, que vous me racontiez un petit peu vous, vos dernières réceptions, vos derniers achats, les coups de cœur, voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires. On me retrouve sur Insta pour le fameux bi-concours qui arrive et je vous fais des gros bisous. Allez, sur ce, salut !